félicitations, c'est une première victoire dans le tableau final du Rolex Paris Master. Ça doit être sympa. Ouais, je suis très content. C'était un peu une surprise de venir ici, c'était pas trop prévu. Je savais qu'il fallait prendre du plaisir. J'ai eu un tirage plutôt favorable. Je pense que c'était pas forcément sa surface favorite, mais j'ai pris ma chance. Et maintenant, il y a un autre match à jouer. Alors, vous avez pris votre chance, mais plutôt bien, parce que ça a été expéditif. Hein. 6-2, 6-1, ouais. C'est… Allez, on passe au deuxième tour. Il y a quoi ? Il n'y a pas eu de pression ? Il y a pas eu de… C'était un bon jour ? Comment ça s'est passé ? Non, il n'y avait pas de pression. C'est, comme j'ai dit avant, c'est un tournoi bonus pour moi. C'est des grands événements. Je les joue pas toute l'année, donc il faut en profiter au max. Après, je savais que si je m'appuyais sur un bon service et être assez agressif au retour, ça allait l'embêter. C'est ce que j'ai réussi à faire et plutôt bien. Et voilà, le fait de faire la course en tête, de break en premier et de réussir à saisir les occasions, tout de suite, c'est plus sympa après. Et alors là, on célèbre une victoire comme ça ou on garde la tête froide et on passe à la suite? Non, je suis très content. Après, y a un match encore à jouer. On va déjà préparer le prochain et faire du mieux qu'on peut après. Hein. Bon, bonne continuation et bravo. Merci.